Importe la distance, c'est la famille qui compte. En route tout le monde! L'horizon nous appelle! Je tisse ma propre aventure et elle est loin d'être terminée. Voilà ma famille et j'en fais partie. Ensemble, nous sommes plus solides que la roche et plus rapides que le vent. Comment ça, je suis punie? Je te souhaite d'avoir un caillou dans la chaussure! Attention où vous marchez! Attention au sable mouvant! Il n'y a plus qu'à attendre. Laissez la terre faire le travail. Même le sable est utile. Ces pierres iront à merveille. Depuis le jour où le soleil noir a été détruit, ma mémoire a commencé à se disloquer. J'ai peut-être passé trop de temps de l'autre côté. Quelque chose ronge mon âme depuis mon retour et détruit ce qu'il en reste peu à peu. Mes souvenirs me paraissent vagues et lointains. Ils sont en train de s'autodétruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ah ! Riley ? Aïe ! J'ai atterri sur la hanche. Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non? Je t'ai pas vue depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans. Et tu sais à quel point cette fille pue. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il n'y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé hey! T'es fâchée? Si je suis fâchée... J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Oh. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi. Hé, hey, Peter. MJ ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais
Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y.